Il est par là. Boucanier. Ouais, ça doit être ça, hein. Ouais, tu te fies au journal que tu distribues. Ils ont annoncé ce matin. Alors, gauche. Bas. Porte de gauche. Taxi. C'est mal barré. Bon, je sais que c'est pas eux. Par contre, c'est peut-être lui. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Boucanier, notre pingouinière. Je me moque du reste. C'est pas lui non plus, je lui ai déjà parlé. Il est là en tout cas, je vais le chercher. C'est pas si compliqué que ça à éplucher ce navire. Zut. C'est toi ou pas? Boum! Non, c'est pas lui. La porte de gauche, ça se trouve c'est celle-ci. Voilà. Ah voilà. Petit cactus, il était là il y a quelques minutes. Il voulait une potion, alors je lui en ai donné une. J'ai laissé à Hamlet. Hamlet, le soin de le ramener chez lui. Mais qui sait si elle a fait son boulot? Non, mais ils ont pas le droit en fait. Donc en gros, faut que je retourne chez moi. Et pareil, Hamlet, je vois pas qui c'est. Oh putain, c'est relou. Disparaissent trop vite les objets. En fait, depuis le début de la quête du cactus, on fait que parler à des gens qui nous disent ouais, il est passé, il est parti là-bas. C'est pas un piaf à mallette? Un pingouin, j'aurais dit, mais. Zut, je l'ai loupé. À mallette. Rêveuse. C'est quoi ça? C'est pas un objet ici en tout cas. Ça a pas l'air. Ah bah d'accord. C'est la même arme que ce que j'ai. Bon, faut que je trouve la cabine du capitaine du coup pour me faire éjecter. Il va pas y avoir beaucoup d'oiseaux chez toi de toute façon.
Et je me demande si c'est pas l'espèce de cigogne en fait. Mais il y en a même pas dans ma baraque. Bon, on remonte. Le seul moyen de sortir d'ici, je crois que c'est la cabine du capitaine en fait. On peut pas sortir de manière conventionnelle. Ah, c'est vraiment pas ma quête préférée. Hein. Je préfère les quêtes où on nous envoie détruire la tronche d'un boss. Ça j'aime bien, pas compliqué. Nous y voici. Alors, est-ce qu'on m'a ramené mon cactus? De toute façon, c'est sûr qu'il va revenir tel qu'il a disparu. Comme par magie. C'est une quête facteur, tout à fait. Apparemment, il est pas en forme, lui, toujours. Hein. Il n'est pas là, mon cactus. Vous avez trouvé un petit mot. Ah, peut-être qu'il est retourné voir Gaius maintenant. Putain, mais vas-y, c'est une galère cette quête. Elle me court sur le haricot. J'ai pas un peu de courrier là? Oula! Il est peut-être dans la ville de Dominia. Alors, j'y suis repassé, mais j'ai pas vu un PNJ de ce nom. Amalette. Ah, c'est des nouvelles graines. On va passer par Dominia. David, tu ne savais pas qui c'était jusqu'à là? Ouais, c'est vrai. Tu n'as point tort. Amalette. Le seul espèce de piaf que je connais, c'est celui-là.
Enfin, moi je trouve que ça ressemble à un piaf. Mais pas du tout en vrai. Si, quand même. Au niveau des pattes et des ailes là. C'est une chimère. Je vais retenter ça quand même, on sait jamais. Les algues prolifèrent dans votre sommeil. Waouh! C'est bizarre. C'est pas le même vendeur que d'habitude. En fait, ils échangent les rôles, j'ai l'impression. C'est pas là. Oh, ça me gonfle au sérieux cette quête. Hein. C'est bien une chose que j'aime pas dans les RPG, c'est de tourner en rond en fait à la recherche d'un truc. En fait, les indices sont vraiment pas ouf. Refab! En revanche, j'ai un indice pour autre chose. C'était où déjà? L'académie. L'académie des mages. Enfin, j'ai peut-être vu un indice là où il n'y en avait pas, mais quand même. Allez! T'es allé au bord de la ville? Les bords de la ville? Mon mentor travaille à Lomina, il m'a tout appris. C'est grâce à lui que j'ai découvert mon fût intérieur. Lomina, faudrait que j'aille là-bas maintenant? Et je crois que j'ai fait toutes les zones de la ville maintenant. D'habitude, il dit pas ça en tout cas, le barman. Il dit autre chose. Putain, j'arrive pas à y aller! Ça m'énerve. Il est sorti sur Switch, PS4, Steam, Xbox, je crois pas. En allant en haut sur le... depuis le point de gauche. Ah, effectivement, il y a une zone que j'ai pas fait. T'as raison. Généralement, il n'y a rien, mais peut-être que cette fois, j'aurais pas tort. Hein. Vu le temps que ça me prend d'aller check, autant le faire, on sera fixé. Pas mieux. Ça, c'est des bâtiments dans lesquels je peux pas entrer.
Donc on a dit Lumina. C'est qui son mentor à Lumina? Ah, mais il y a une autre. Il y a une autre espèce de bonhomme puzzle à Lumina, c'est vrai. Je l'avais zappé celui-là. Ça marche, merci Mona. Je crois qu'il est là, lui. Ouais, c'est lui. Qu'est-ce qu'il va me dire? Voulez-vous entendre une petite histoire pittoresque? Ouais. Ici, à Lumina, nous distillons des élixirs destinés à étancher la soif des habitants. Ces breuvages fermentent dans des fûts, mais la quantité de liquide diminue au fil du temps. Nous croyons que les esprits sont si pressés de déguster l'élixir qu'ils ne peuvent s'empêcher d'en boire de petites gorgées. Cette taverne, l'esprit espiègle, tire son nom de ce folklore. Nous n'éprouvons aucun ressentiment contre les esprits, savez-vous pourquoi? Aucune idée. Il faut avoir un fût dans l'âme pour comprendre. C'est difficile à expliquer à ceux qui n'en ont pas. Ça va comme vous voulez? Putain, mais ça. Ça rime à quoi tout ça? Il n'y a pas de doute, vous avez un fût dans l'âme. Vous obtenez un fût dans l'âme. Bon. Du coup, je peux retourner voir les nonnes. Les nonnes qui sont où déjà? Qui sont... je suis paumé de ouf. Agathe. Ah vraiment, c'est très pointilleux sur les quêtes. C'est des petits indices parsemés comme ça. Faut bien faire attention en fait à ce que nous disent les personnages. Parce que le coup du fût dans l'âme... Il parle d'un pélican en périphérie de Dominia. Je vois le pélican duquel il s'agit, c'est celui que j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises. Mais je vois pas où il peut être en périphérie de Dominia. Ce serait au stade de ma quête là? Je vais aller par là. Après David. Je peux aller voir ça. Hein. Alors les nonnes, elles sont où les nonnes? Argent facile. Je crois que c'est là. Non, peut-être pas ici. Il n'y avait pas les serpents. Ah, je crois pas. Hein. En tout cas, cette zone est horrible. Ah, c'est là. Me semble-t-il, puisque les oiseaux me disent quelque chose. Allez, viens! Yay! J'en ai un de fût dans l'âme, je peux pas lui donner?
Évidemment, ça va pas apparaître ici, ça c'est sûr. Putain, ça rend fou. Attends, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Peut-être qu'un truc m'a échappé. Nous avons besoin d'eau de l'oasis pour distiller l'élixir béni. Si seulement j'avais un fût dans l'âme. Donc ça, je l'ai. Donc il faut que je trouve l'oasis, je sais pas quoi. Peut-être. Il est où son oasis? Est-ce que c'est une relique particulière ou faut que j'aille à la cascade, je sais pas trop. Elles vont me rendre chèvre ces quêtes. Peut-être le désert, oui. Ça vaudrait le coup d'aller voir. Je vais regarder quand même si j'ai pas une relique sur laquelle il y aurait un éventuel oasis. Et je crois que celle du désert, elle en a un. Je vais regarder quand même par ici avant parce qu'il y a une histoire de piaf aussi. Désert égale oasis en général, effectivement. De toute façon, on va le voir directement sur la relique, je pense, sur là. Vive les allers-retours là. Ça a pas l'air très riche en oasis, hein. Sympa le pull. Le pull. Ah, le mien? Ah, c'est pas un pull? C'est un t-shirt. Alors, t'as dit en périphérie de la ville. Putain, mais je vois pas où il peut te cacher là. Ou alors, il y a une maison que j'ai pas faite. C'est bien. C'est marrant, il y a des PNJ qui sont pas tout le temps là.
Oula, t'as un sacré décalage, Az. Quelqu'un peut lui dire? Parce que le temps que ça lui arrive, justement, à mon avis, il va se passer 20 minutes ou 30 minutes. Nous sommes multiples, mais nous ne sommes qu'un. J'aime la Terre. J'aime les oiseaux et les insectes. Tu sais, j'aime aussi compter les étoiles. Moi, j'aime les donuts avec les petits trucs de chocolat. Ah, je vois. Putain, mais cet oiseau, je l'avais zappé. Eh bien, ce n'est pas forcément vous en particulier que je suspecte, mais... J'espère donc que ceci finira de te convaincre. Je ne peux pas voler. Au contraire, m'aurait étonné. Ah, c'est vrai. J'avais oublié que vous étiez une poule. Je ne suis pas une poule. Je suis un canari. Ah oui? Comment ça, ah oui? Toutes mes excuses. Ceci dit, j'ai effectivement vu Trémolo acheter un timbre il y a quelque temps. Le Pélican a peut-être emmené ton ami. Ce serait logique. Je vais acheter un timbre pour attirer son attention. A plus. Quoi? Mais quel rapport? Ah oui, parce que c'est vrai que c'est le facteur. Où le petit Trémolo a-t-il bien pu passer? Si j'étais toi, je chercherais des indices là où tu l'as vu la dernière fois. Je sais même pas où je l'ai vu la dernière fois. 12 minutes de retard. Bon bah là du coup faut peut-être que j'aille tout à l'ouest où tu disais Mona. Mais est-ce que il faut que j'achète un timbre? Je vais me le coller sur le front. T'as des timbres toi? Non, j'ai rien à perdre à l'acheter, mais je crois pas qu'on puisse en fait en acheter. En tout cas, je vois pas où on pourrait en acheter. Ah bah tiens. Où est passé Trémolo? Comme il est plutôt maladroit, peut-être. Peut-être qu'il a fini par se coller, je sais pas, ce timbre sur le visage et que l'autre pélican a tenté de le livrer. Comme ça? Courrier en transit. Le voilà le pélican. Lâche-moi! Je suis pas un colis, stupide oiseau. Merci de ne pas m'interrompre dans mon travail. Lâche-moi! La lettre de Trémolo. Bon, bah, moi aussi, il faut que je me colle un timbre sur la tronche. Mais qui va me donner un timbre? Ce piaf postier me rappelle Pokémon. Ah bon? Salut Raph. C'est un petit cactus qui m'a fait mal. Qui m'a fait mal. Avec ses épines dans ma bouche. Oh, ma pauvre bouche. Mais... Est-ce que vous le saviez? Mon métier, c'est le courrier. Distribuer le courrier. Dans sa boîte aux lettres, je l'ai livré. Ma tournée est terminée. Cet envoi était une erreur. Levée injustifiée. Je l'ai emmené sur l'heure à la piste ainsi nommée. J'ai trouvé. Je pense avoir trouvé. J'espère avoir trouvé.
Je vois que ça, la piste de Luan, et en plus il devait retourner voir Gaïa pour la potion, ce serait logique. Point unique. Ah, une lettre. On dirait l'écriture de Trémolo. Personne ne regarde. Et regardez en silence. Voyons voir. Chère mère, cher père, je vais bien. Jusqu'ici, rien d'anormal. Voyons la suite. Je fais des spectacles avec Capella, et ça ne marche pas fort. Seuls les papillons et les octopodes viennent nous voir. Tout ceci me fatigue, j'aimerais rentrer à la maison. Et qu'est-ce que tu fais ici, toi? Allons à sa recherche. Oui, je dois retrouver Trémolo. Mince alors, j'y crois pas. Mais non, mais non, mais non. Bekipan est un postier dans Pokémon équipe de secours. Moi je crois qu'avec le dernier Pokémon, j'ai compris que c'était pas fait pour moi en fait, cette licence. Je vais quand même lui parler, lui, vu que je suis à côté. J'ai tout le temps les pieds engourdis. Ah d'accord. Il lui dit la même chose que la dernière fois. Du coup, j'ai pas tellement retenu les indices qu'il m'a filé là. Il a parlé de spectacle. Peut-être au port. Il y a une espèce de salle de spectacle. Le Pélican a parlé de lettres, et s'il t'avait livré le cactus? Et je crois qu'il l'a livré au mauvais endroit en fait. À moins que là je sois parti sur une autre quête. Je vais aller voir, t'as raison, ça marche pas de pain. Tiens, je me suis perdu. Trémolo! Arrête de partir tout seul comme ça! Allez, rentrons. Tiens, c'est ta lettre, non? Dis-moi, tu n'aurais pas fait exprès de te timbrer la tête pour te faire expédier par hasard, si? Ouais, Capella, c'est exactement ça. Un instant. Oh oh. Capella, tu n'aurais pas lu ma lettre, si? Bien sûr que non, jamais je ne ferai une chose pareille. Que s'est-il vraiment passé? Il l'a lu. Ah, la balance. Sale menteur, Capella. Je suis désolé, Trémolo, j'ai pas fait exprès. Comment je l'ai dénoncé? En fait, je crois que t'as raison, Mona. À mon avis, le cactus, il est déjà de retour et je suis en train de partir sur notre quête, là. De toute façon, normalement, cette grotte, c'est un cul-de-sac, donc je devrais pas avoir trop de mal à les retrouver.
Bon sang, il nous a semés. Et il y a un monstre par là-bas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Laisse-moi faire. C'est ça son monstre? Eh, ça a été? Tu as retrouvé Tremolo? Oh. Hmm. Que fais-tu dans un tel endroit, Capella? Comment ça, je te cherchais? Où étais-tu passé? Hmm. Je ne sais pas. Ah si, je te cherchais, Capella. Chérie. Hmm. Tu me cherchais, moi? Oui, je voulais m'excuser. D'être toujours en colère pour une raison ou pour une autre. Arrête un peu, Tremolo. Toi en colère, et moi donc? Je te cherchais parce que j'espérais qu'on puisse être amis. De nouveau. Une chose est sûre, je suis ton propre tempo. Tu suis ton propre tempo. Mais je ne serai pas ton ami de nouveau. Quoi? Pourquoi? Parce qu'on est déjà amis, espèce d'andouille. Affaire classée. Allons-y. Attends-moi. Oh, un instant. Vas-y, à bout une relique. Tenez. C'était naze.